Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Hein, la team Lidl, vous êtes là? Moi je suis là. Bon allez, ce matin je suis venue pour vous montrer les promotions et les arrivages d'aujourd'hui. On va commencer par les fleurs, elles sont juste de l'autre côté. Voilà, et puis après on ira voir, il y a un arrivage italiano. Les saveurs de l'Italie. Bon, ici je vais commencer par ces jolies petites fleurs. Ce sont des primevères. Elles sont à 2,29€. Elles font 12 cm de diamètre et 25 cm de haut. Elles sont vraiment très jolies. Voilà. Alors à côté, on retrouve donc des compositions de jacinthe à 8,99€. J'ai un doute. Non, je pense pas que ce soit celle-là. Je suis en train de regarder l'image de là. Celle-ci, elle me paraît, quand j'ai vu ça, jacinthe en coupe. C'est petit, non. Celles-ci, elles sont à 2,99€. C'est qu'il y a dans le catalogue, je pense que ça doit être un pot beaucoup plus grand. Alors ici, on a les petites barquettes. Barquettes de 10 primevères. Donc, ils nous disent 3 achetées et une offerte. D'accord, donc vous en prenez 3. La quatrième, elle est offerte. C'est trop joli. Donc, 8,97€. Soit l'unité à 2,24€ prix de revient. Voilà, voilà. Sinon, la barquette, si vous voulez la prendre à l'unité, c'est 2,99€. Voilà, voilà. Alors, du côté des fleurs, je pense qu'ils n'ont pas tout mis en rayon encore. Je ne retrouve pas tout. Donc, je vais aller faire mon petit tour. Alors, peut-être qu'ils vont les remettre après. Ah, bah, peut-être que c'est là. Je dis des bêtises. Hein. Je dis peut-être des bêtises. Je sais pas, on va voir. Ouais, c'est là-bas. C'est bon, je l'avais pas vu, autant pour moi. Alors. Hop, je vous promène avec moi. Elles sont là, les jacinthes, à 7,99€. Waouh, c'est très joli. Il y a différentes variétés. Donc, vous avez celle-ci, voilà, qui se présente comme ça. Ou bien, vous avez donc celle-là. Ou bien celle-là. Et là, vous avez des succulentes à 8,99€. Voilà. Ici, on a les orchidées. Des orchidées. 3 tiges. 11,5 cm de diamètre. Et en hauteur, on est sur 55 à 70 cm de haut. À 8,99€. Il y a d'autres variétés. Je vois qu'il y a d'autres variétés. D'autres couleurs. Hein. Il y a aussi du rose derrière. Là, on a des plantes vertes. Alors, les plantes vertes. Je sais pas trop. Je sais pas le prix. Je le vois peut-être pas. Je le vois pas là dans le catalogue. En tout cas, voilà, il y a des plantes vertes disponibles chez Lidl. Après, on retrouve encore là, je pense que c'était pour la Saint-Valentin. 15,99€. Les Stefanotti. Et là, on a les orchidées aussi. À 9,99€. Et là, vous avez les grandes plantes. Celles-ci, elles sont à 12,99€. Allez, on continue ici côté légumes. Vous avez les pommes de terre spéciales four à 1,39€. 1,39€, il y a 2 kilos ici. Soit le kilo à 70 centimes, mais c'est origine France. Après, on a les tomates cerises d'ailleurs. Il faudrait que j'en prenne. Elles sont à 1,69€. Elles sont toutes mignonnes, toutes petites. Il y a 500 grammes. Hein. Tomates gourmet, origine du Maroc. Et après, on a les poires en vrac. Et elles sont à 1,99€ le kilo, origine Belgique. Butternut, 1,89€ la pièce, origine France. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo spéciale fruits et légumes. C'était dimanche. Si vous souhaitez voir les prix de différents fruits et légumes, n'hésitez pas à aller la voir. On a également de la mâche comme ça. C'est 150 grammes à 1,29€. Et on a aussi la courgette à 1,49€ le kilo, prix valable, mercredi 16 février. Allez, c'est parti pour les saveurs de l'Italie. En veux-tu, en voilà, il y a vraiment plein de choses. Alors, je vais commencer ici par des croissants fourrés. Les 500 grammes à 1,99€. On a ici des tiramisu vendus comme ça, hein, style un petit peu comme un gâteau, au café à 1,99€. Alors, ensuite ici, on a ces petits biscuits feuilletés. Miam, 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 miam. Ils sont trop bons. Franchement, ils sont trop bons parce qu'ils sont caramélisés un petit peu sur le dessus. J'en prends tout le temps dès qu'il y a des saveurs comme ça italiennes. C'est trop trop bon. Petit biscuit comme ça, biscuit feuilleté. Alors il y en a l'abricot. L'abricot, j'ai jamais pris.
Et ceux-là, non, je pense pas qu'ils sont à l'abricot. Si. Ben, je sais pas. En tout cas, moi j'avais pris. Ben, je pense que c'était ça. Hein. Donc il y a quoi d'autre aussi? On a les petits palmiers biscuits feuilletés. Hop, comme ça. Ils sont à 1,49€ ceux-là. Alors, je vais commencer. Je vais continuer dans le rayon. Et là, bah, c'est du lourd. Il y a plein de choses. J'aime vraiment hein, l'arrivage en spécial comme ça. Ça va Italie. Vous avez la pâte à tartiner aux éclats de noisettes. Donc à 1,79€. On peut retrouver des biscuits fourrés chocolat noisette. 1,49€. Ça aussi, c'est super bon. Des petits croquants aux amandes. 1,89€. Il y a différentes variétés. Il y a aussi, regardez, au chocolat. Après là on a les petits, ceux-là aussi c'est très très bon, on ressent bien le goût de l'amande. C'est des petits biscuits à 99 centimes, ils sont vraiment pas chers. Vous avez aussi ça, hein, des petits croquants enrobés de chocolat, c'est 1,89€. Il y a différentes variétés, c'est aux amandes, aux noisettes. Donc là on a les cerises amarena. C'est combien? 2,99€. Tiens, on fait une petite forêt noire. Alors, ici, on a donc ces gâteaux-là. Il y a pas mal de biscuits. Hein. Biscuits à la crème. Bon, celui-là, je ne les ai pas goûtés. 1,29€. Ensuite, vous avez ces gâteaux. Ces petits biscuits-là, aux amandes ou au chocolat. Après, c'est chocolat. Et là, vous avez ceux-là aux amandes. C'est 1,79€. Donc les 300 grammes. On a ici les fameux macarons. Macarons individuels. C'est pas les vrais macarons, c'est des macarons moelleux. On sent bien le goût de l'amande. Je les trouve un petit peu sucrés quand même. J'en avais pris il y a quelques mois. Hein. L'année dernière, oui, pour le coup. Là, on a un mélange de biscuits Italiamo. La boîte, elle est juste canon déjà. Regardez-moi ça. C'est une grosse boîte à 8,99€ avec un assortiment de biscuits à l'intérieur. Elle est trop belle la boîte déjà. Allez, je continue. Alors ici, je sais pas trop, c'est des petits... ils appellent ça des cucinetti croquanti. Ça a l'air croquant effectivement. Alors je sais pas trop ça a quel goût, parce que c'est un petit peu comme la pizza, c'est écrit pizza. Il y a pizza, il y a chili, il y a oignon. Franchement, ça a l'air bon. 1,49€ et pour le coup c'est original. Hein. Vous pouvez mettre ça en apéritif et tout. Vous avez des chips gaufrettes à 99 centimes. Après là on a les galettes de pain rond nature, un petit peu comme les wraps. Un petit peu plus épais quand même. Il y en a combien? Il y en a 3. Et c'est 1,49€. Là on a les crackers. Donc 1,19€, romarin, huile d'olive. On a la tomate séchée, on a pas mal de variétés. Voilà. Ici, on a donc les grissini. 1,29€. Voilà. Vous avez ceux-là aussi. Donc, il y a d'autres variétés. À 1,19€. Les risotto. J'en ai eu des très très bons retours. Et je me suis dit, quand il y aura un arrivage chez Lidl, j'en prendrai. Parce que c'est pas un truc qui m'a tiré. Et quand on m'a dit, mais t'as pas goûté le risotto de chez Lidl là quand même. Je me suis dit, faut que je goûte. Donc vous avez celui-ci. Je pense qu'il doit être champignon. 1,99€. Non, c'est même pas. Non. Ça, c'est du riz, je crois. Juste le riz. Oui, je dis des bêtises. C'est 1,99€ le kilo de riz. Riz spécial risotto. C'est ceux-là qui sont. Genre. Ça veut dire parfumé. Genre au fromage, vous avez celui-ci au safran. 1,59€ pour celui-là. Voilà, il n'y a plus qu'à rajouter, je crois, de l'eau. 12 minutes de cuisson. Et là, celui-ci au safran. Et au safran, il a 99 centimes. Là, on a les capres. 1,79€. Préparation bruschetta, poivron grillé ou bien tomate séchée. Là, c'est tomate séchée. À 1,19€. Là, on a d'ailleurs des tomates séchées, comme ça. 1,09€, les 100 grammes. De l'huile d'olive, bouteille en céramique. Déjà, elle est très très belle, la bouteille. Regardez-moi ça. À 4,99€. Ici, on a des différents pestos. Ils sont à 1,29€. Les spaghettis à 1,22€ le kilo.
Là, on a les pâtes à lasagne, mais c'est pas le bon prix. Là, c'est écrit tagliatelle aux œufs. Les tagliatelles, elles sont là, à 89 centimes. Et là, on a les fusilli giganti. Elles sont gigantesques, c'est vrai. 1,59€ les 500 grammes. On a de la tomate séchée à l'huile d'olive. 1,29€. On a de la sauce donc pour les pâtes. Vous avez donc soit cette sauce avec de la tomate ou bien cette sauce 4 fromages. 1,19€. Là, j'ai pas le prix. Filet. Sauce vinaigre, balsamique, nature, orange ou fraise. C'est ce qu'ils disent. Mais quand je regarde là, je vois pas spécialement de la fraise, je vois de la framboise. Et là, c'est de l'orange, oui, ça c'est bien ça. Enfin bref, il y a 250 ml à 1,49€. Morceau de thon blanc, ici, donc aux légumes, à 2,09€. On a ici antipasti italien, 4 sortes au choix. À 1,39€. On retrouve des olives vertes, celle-ci à 1,99€ les 420 grammes, ou bien celles-ci qui sont bio à 1,69€ les 200 grammes. Là, c'est du vinaigre balsamique, mais j'ai pas le prix. Alors, ici, on a des pâtes tricolores à 1,19€ les 500 grammes. On peut retrouver aussi du riz. Alors, le riz. J'ai pas le prix par contre. Et là, on a les pâtes à lasagne. Non, c'est pas les pâtes à lasagne, pardon. La sauce béchamel aussi, les 500 ml. Alors, je sais pas. Alors, je continue ici avec des petites promos. Vous avez donc la bouteille de Fanta, 2 achetés, la troisième offerte. En fait, il faut acheter les packs 2, et le troisième paquet sera offert. Donc, 5,12€ au total, prix de revient 1,71€ l'unité. Ici, on a des coquillettes à 2€. 14, donc c'est 2 achetés, 3e offert. Cuisson en 3 minutes, 2,14€. Les petits princes sont à 4,20€. Le lot de 4. Alors. Ici, on a de la crème, une crème pour le visage en promo à 1,38€. Elle est pas chère. Hein. Crème pour le visage, soins intensifs et hydratation en 24 heures à base d'huile d'olive bio. Sans microplastique. On a la crème pour les mains en promotion à 1,28€. Pour les mains sèches et abîmées. Masque en tissu botanique, il est à 98 centimes. Là, on peut retrouver le petit marseillais, les petites créations. Là, il y a moins 80% sur le deuxième. C'est 2,19€, 43 centimes. Du lait corporel ici, petit marseillais, les 400 ml à 4,53€. Je voulais vous montrer ici l'autre côté, donc du côté réfrigérateur, l'arrivage spécial Italie. J'attends un petit peu que ça se vide, il y a beaucoup de monde ce matin. Il y a vraiment beaucoup de monde. Alors on a la mascarpone ici, les 500 grammes à 2,19€. Donc à côté on peut retrouver du fromage râpé en copeaux, style un petit peu parmesan, mais c'est pas du parmesan. Parmigiano, ils nous disent. D'ailleurs, je vais voir c'est quoi. C'est ça. Il est à 1,79€. Bon, c'est du fromage italien à pâte pressée au lait. Donc, ils ne précisent pas. Alors là, on a le fromage Stracciatella. Je ne connaissais pas. Je connais pas. J'ai jamais goûté pour vous dire celui-là. 200 grammes à 2,29€. Il y a l'aidé de fromage, ceux-là, à 3,89€ en cube. Il y a 300 grammes. Romano râpé. Ça peut être bon avec les pâtes, ça. Les 100 grammes à 1,89€. Après, on a les desserts italiens. C'est 1,49€. Bon, j'essaie un petit peu de vous montrer, mais hop. 1,49€, dessert italien. C'est une espèce de mousse au chocolat, en fait. Hein. Et au café. Et là, on a des... j'ai envie de dire des tiramisu un petit peu. Ça ressemble dessert aux pistaches. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. C'est bien long comme ça, dessert aux pistaches ou chocolat, c'est 2,99€. Après là, on a les tiramisu vendus par deux. Ils sont à 1,79€. Il y a quoi d'être encore d'autres desserts ici. Voilà.
on a le grand tiramisu comme ça, donc au citron ou au chocolat. Et là, c'est 2,99€. Là, on a des gnocchi fourrés au fromage et à la tomate. Vous voyez, ils sont assez gros. Hein. 1,49€. Fromage à pâte dure, 2,49€, 200 grammes. De la polenta. Donc, deux variétés au choix, c'est 1,29€. Ici, on retrouve du fromage râpé, donc dans une boîte. Hein. Pâte dure, 2,79€. La mozzarella bufala, ici, il y a 500 grammes pour 5,29€. Alors ici, on a des medaglioni fourrés. Ça ressemble un petit peu au ravioli, mais rond. C'est fourré, donc au basilic et pignon de pain. 1,29€, les 250 grammes. Là, on a les pansotti sauce pesto. C'est un petit peu dans le même esprit, 1,55€. Antipasti méditerranéen, c'est 3,59€ ici. Lasagne casse sorte au choix, c'est 1,99€. On retrouve encore ici des mini raviolis, je vais appeler ça comme ça. Là, on a des pâtes fraîches. Ah, c'est sa pâte fraîche farcie. Je vais vous montrer quand même. C'est que j'ai pas envie d'ouvrir le côté fraîcheur ici. Donc, vous avez là celle-là. Et puis, vous avez les rouges. J'aime bien la couleur, tiens. Ça change. Voilà. Bien, voilà, les amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Elle est déjà très très longue. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager, à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bye bye.